Salut à tous, c'est Roxas. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui déchire, on va dire. On va importer la Duke en online et on va essayer de la dupliquer pour la rentrer dans son garage. Donc c'est un petit glitch qui a été trouvé par un Américain. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est avoir Trevor et aller chercher la Impound Duke, donc à plusieurs endroits qui sont sur la map, il y en a trois. Une fois que vous aurez la Impound Duke, soit dans votre garage ou vous l'avez tout court, hein, de toute façon peu importe, où vous la récupérez, il faudra venir se placer ici au club de striptease. Donc là vous voyez le club de striptease, il est là, à cet endroit-là. Une fois que vous serez au club de striptease, vous allez vous placer la voiture ici, et quand vous aurez placé la voiture ici, vous allez rentrer dedans et vous faites une sauvegarde. Comme ça vous évitera, si vous avez un petit souci, vous rechargez votre sauvegarde directement ici, vous recommencez la manip. Donc pour réussir cette manip, il y aura une petite chose à faire, c'est que votre ami qui est dans une session sur invitation, je dis bien une session sur invitation, devra lancer une mission en solo. Donc n'importe quelle mission, on s'en fout, hein, vous prenez, là je peux pas la lancer parce que je suis pas en ligne. Mais une mission tout seul. Donc il la lance. Une fois qu'il sera dans la mission, il va vous inviter. Et quand vous aurez cette invitation, soit par le PSN, soit par le téléphone, ça fonctionne dans les deux cas, vous allez rejoindre sa session une fois qu'il aura lancé la mission. Donc vous allez voir. Donc une fois qu'il aura lancé la mission et que vous aurez son invitation, vous allez le rejoindre. Et quand vous l'aurez rejoint, donc par le bouton PS, je vais vous montrer, rejoindre session, vous allez faire notification. Donc par exemple, là j'ai reçu une invitation, on va dire que c'est pas lui, mais on va faire rejoindre. Une fois vous revenez en arrière, vous allez avoir le message voulez-vous rejoindre une session, voulez-vous rejoindre la session. Donc là vous allez attendre quelques secondes. Vous allez appuyer sur le bouton X et une fois que vous avez appuyé sur le bouton X, vous allez sur le bouton PS, dans les paramètres, réseau, et là vous allez décocher, recocher la case plusieurs fois. Quand vous allez accepter la mission, lui il va voir apparaître la Impound Duke devant lui en mode dans sa mission et il devra rentrer dedans. Alors soit par le côté passager. Et il sera passager tant que vous n'aurez pas déconnecté votre connexion. Et dès que j'aurai déconnecté la connexion, je vais passer côté conducteur. Et à l'inverse, si vous rentrez côté conducteur, vous devrez spammer le bouton triangle jusqu'à ce que vous rentriez dedans. De toute façon, je vais vous mettre un deuxième screen pour vous montrer la vue de l'autre personne. Donc, on va commencer la manip tout de suite. Donc là, j'ai mon collègue qui va m'inviter dans la session. Il va lancer la partie en solo et il va m'inviter dans la session. Chose importante aussi, quand votre ami lance la mission, il faut qu'il lance la mission du club striptease. Donc la mission n'importe laquelle, comme je vous ai dit. Mais par contre, il doit le faire absolument du club de striptease. Donc il lance sa mission de cet endroit-là pour pouvoir spawner directement à côté. Donc là, lui, il vient d'arriver dans l'activité. Ce qu'il va faire tout de suite, c'est lancer invitation party, membre de mon party. Comme ça, je vais recevoir l'invitation soit par le bouton PS ou par le téléphone. Et je vais l'accepter tout de suite, dès que je la reçois. Là, je viens d'avoir la mission par le téléphone. Je vais me mettre dessus. Dès que je me suis mis dessus, que je suis prêt à envoyer la mission, je lui dis qu'il lance la mission en solo. Donc tu peux y aller. Et c'est bon. Et là, moi, je lance l'activité de suite pour le rejoindre. Donc récupération des détails de la session GTA Online. J'attends d'avoir le petit message d'erreur. Dès que j'ai le petit message d'erreur. Rejoindre une session GTA Online, toute progression sera sauvegardée, sera perdue. Là, vous attendez quelques petites secondes.
Et dès que vous avez attendu, vous allez appuyer sur X et de suite bouton PS, allez vous déconnecter. Au moment où vous allez appuyer sur X, lui va avoir la voiture qui va apparaître devant lui et devra rentrer au plus vite dans la voiture. Donc j'y vais, j'appuie sur X, bouton PS, je monte, paramètres, paramètres, je descends sur réseau et là je me déconnecte plusieurs fois et je me reconnecte. Ensuite, je retourne. Dans le menu, vous avez été déconnecté du PSN. Reconnectez-vous pour accéder aux fonctionnalités réseau. Donc peu importe. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la partie chat avec lui pour voir s'il l'a bien eu. Et je vais lui prendre le jeu en partage pour vous montrer la Hey duplication. baby, looking for a date? Là, je vais vous montrer la manip de l'autre côté. Donc là, vous allez en ligne, jouer à GTA Online, session sur invitation. Donc là, on est sur une session sur invitation. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est attendre que lui se mette donc sa sauvegarde devant le club de striptease. Nous on va aller au club de striptease pour lancer la mission comme je vous dis. Donc on va avancer. Là, je vais vérifier que j'ai bien Karine Rebelle à l'appartement. Donc là, vous voyez, j'ai bien un rebelle rouillé. Donc on arrive ici devant le club du striptease. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est donc à cet endroit-là, puisque c'est ici que la voiture elle va apparaître quand lui va faire la manipulation que je vous ai montré, donc d'accepter l'invitation, d'aller sur le bouton PS, donc accepter. Une fois qu'il aura accepté, bouton PS, on va sur paramètres, paramètres, réseau, et il déconnecte son truc internet. Donc là, vous allez voir tout de suite, moi, je lance l'activité, donc n'importe quelle activité créée par Rockstar, mission. Donc on va lancer en territoire ennemi. Il faut que ça soit une mission qui se lance au minimum avec un joueur, sinon vous serez bloqué. Adieu Los Santos, on éteint. Je fais confirmer paramètres et là je fais invitation de mon parti. On attend qu'il ait l'invitation. Dès qu'il a l'invitation, on va lancer jouer et lui va accepter l'invitation et faire la manipulation que je vous ai montrée. Ça marche aussi par le menu téléphone, il n'y a pas de souci. Donc dès que tu me dis que tu l'as lancé, je mets jouer. Allez, je fais jouer, tu valides. C'est parti, voulez-vous lancer cette activité en solo? On la lance. Donc là, je vais relancer une invitation directement par le menu Start. Donc là, il a validé rejoindre la session. Voilà. Ah, hop, hop, vite, la voyez. Elle a apparu. Faut se dépêcher. Non, 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 retourne de l'autre côté. Putain, quelle conne. Là, vite, vite, vite. Voilà, vous rentrez dedans. Là, vous voyez, vous spammez le bouton triangle. On spamme le bouton triangle pour rentrer dedans. Et d'un coup, voilà, on rentre dedans parce qu'il est parti. Donc, on re-rentre dans la voiture. Et là, on peut la prendre. Donc, là, vous voyez qu'on est toujours sur la session. Comment ça s'appelle, hein? Sur la mission. Donc, là, tout de suite, on va aller se rendre à l'appartement.
On va faire la duplication donc au garage que je vous ai montré. Ce que je vais faire, c'est que arrivé à mon garage, je vais appeler le Karine Rebelle mécano. Pour faire la duplication. Donc Murrieta 8. Donc comme il vous faudra absolument un Karine Rebelle au garage où est-ce que vous allez faire la dupli. Donc comme par exemple celui-ci. Je sais que ça fonctionne, je vous ai montré une vidéo de glitch là-dessus. Donc le Murrieta 8. Donc là on va attendre la livraison de la rebelle qui est ici. Donc surtout pour éviter de rentrer dans le garage malencontreusement parce que là la voiture va disparaître. De suite si vous rentrez dans le garage, je vais rester appuyé sur le pad, je me mets sur le pad. Surtout vous ne perdez pas de vue la voiture, si vous la perdez de vue, elle risque de disparaître. Comme beaucoup de véhicules dans GTA pour ceux qui connaissent. Hein. Dès que vous les regardez plus, ils s'en vont. Donc j'essaye de la regarder tout le temps. Je vais rentrer dans mon véhicule. Et là, je vais faire la duplication avec le feu sur la voiture. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas. On va ouvrir le pad. On s'approche du garage, donc pour éviter de rentrer dedans. Donc là, j'essaie de me mettre pas trop loin de la voiture pour aller assez vite et rentrer dedans. Et on va mettre le feu, donc tirez pas trop dessus, faut vraiment y aller doucement pour avoir le petit radar qui clignote. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le véhicule avant d'avoir le deuxième flash. Donc voilà, après plusieurs beaucoup de tentatives infructueuses, j'ai trouvé la meilleure solution pour entrer la Duke. Donc vous la placez comme moi sur la vidéo, le même endroit, la Duke, vous la placez à côté de la pancarte, la rebelle au milieu et une voiture au milieu. Autre info importante, si vous avez un ami que vous pouvez inviter, vous l'invitez, il va vous regarder. Et l'avantage, c'est qu'en vous regardant, si vous rentrez dans le garage sans le faire exprès ou que vous vous trompez de manip, vous allez pouvoir garder cette voiture-là. Elle va rester dehors parce que votre ami la regarde de l'extérieur, donc elle ne s'en ira pas. Voilà, c'est tout pour ce glitch. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.